bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet après-midi et soirée en live sur Final Fantasy XIV. Aujourd'hui, on va continuer la MSQ sur Endwalker. Je me connecte au jeu. On va du coup faire une dizaine d'heures dessus encore, après les événements intéressants qui sont passés lors du dernier live, avec notamment le combat contre Zordiak, que j'attendais pas si tôt, clairement. Voilà, hâte de découvrir la suite, on va aller voir tout ça. J'attends juste que le jeu se connecte. Juste, on va envoyer les servants et puis voilà. Pour info aussi, ce week-end, du coup, je ne streamerai pas parce que je ne suis pas là. Je serai en Expo Lego sur Donfond dans l'Orne. Donc bah, si vous aimez les Lego et que vous êtes dans ce coin-là, n'hésitez pas. Et pendant que le jeu se connecte, je vais tirer le seul booster que je peux tirer aujourd'hui sur le PPverse. Et on a ouvert une commune dorée et de rares, pas mal. Allez, du coup, on va pouvoir passer en jeu. Hop. Et je vais commencer juste par relancer mes servants, parce que je l'ai pas fait. Et ensuite, on va pouvoir se diriger vers la suite. Je me rappelle, la dernière fois, on a fait un stream qui n'était pas prévu spécialement sur FF14. On a fait l'événement d'Halloween et on a commencé à travailler sur l'occultiste. Et on a également récupéré les vents éthérés sur Garlemald. Donc on peut voler dans cette zone-ci. Tac. Alors, qu'est-ce que tu as vendu, Maxine? Une matéria. Très bien. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre quelque chose en vente, du coup. Toujours pas mal de choses à vendre. J'ai récupéré une carte au trésor. Donc ça, il faudra qu'on regarde comment ça fonctionne. Parce que j'ai pas encore pu essayer. Mais voilà. Alors, est-ce que ça se vend de la peau souple? Ça se vend pas. Donc on va la virer. Tombe en bus, ça se vend rien. Ça non plus. Minerai d'étain, 30. On va pas s'embêter pour 30. On libère toujours la place. Hein. Et on a ça, du coup le bracelet attaquant de la halle, 20 000. Hop, on va mettre ça en vente également. Et j'ai récupéré aussi une carte Migardzom, c'est vrai. J'ai récupéré ça puisque en fait j'ai fait un haut fait hier je crois, hier quand j'ai fait mes trucs, j'ai atteint le haut fait pour avoir le porteur de carte niveau 4, donc ce qui m'a donné en récompense la carte Midgarzorm pour le triple triade. On a obtenu 90 cartes différentes déjà. Allez, archiviste sélénienne, du coup la prochaine mission, on retourne sur la lune. Tiens, il y en a une ici qu'on n'a pas harmonisée. Bon. C'est assez grand en fait la zone de la lune, je pensais pas que ça allait être aussi grand que ça. Ah, je sais plus si je peux passer directement au travers. Non. On va faire le tour. Donc pour rappel, hein, donc la dernière fois qu'on a fait l'histoire, on a terminé par le combat contre Zordiark. Enfin, Fananiel qui a pris contrôle de Zordiark. C'était vachement bien. Et du coup, ça a libéré l'Apocalypse. Ça, c'est peut-être moins vachement bien. Et on va continuer de parler aux veilleurs. C'est parti. L'archive sélénienne. Rendons-nous dans un lieu plus adapté pour parler de l'Apocalypse. À vrai dire, juste après être descendu ici, j'ai ressenti la venue de plusieurs personnes à Mar Lamentorum. En raison de l'urgence récente, je n'ai reçu que des bribes d'informations d'Aideline, mais je suppose qu'il s'agit de tes compagnons. Il semblerait qu'ils t'aient trouvé ma demeure, donc je te propose de les y rejoindre. «
on va refaire le tour du coup. Et ça va être tout là-haut pour l'instant, a priori. Alors du coup, je suis un petit peu surpris quand même, ce que je disais. Je suis un peu surpris en fait d'avoir que ce soit ni Garlemald ni la Lune, la zone finale. J'aurais pas misé dessus. Je pensais que ce serait Garlemald, franchement. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Nous avons mis le temps, mais nous sommes arrivés à bon port. Cet endroit serait-il occupé par un habitant de la Lune? Ah, Pup, tu es là. Nous sommes démenés pour contenir les subjugués avec l'aide de la délégation d'Ilzabarda. Malheureusement, nous n'avons pas pu empêcher un certain nombre de pertes, dont ceux qui se sont fait exploser au début de la bataille. À l'heure qu'il y est, les efforts se concentrent sur les soins des blessés des deux camps et la guérison des subjugués. Creel a, elle, reçu un traitement rapide et efficace. Elle se repose encore, mais nul doute que son corps retrouvera bientôt toutes ses facultés. Quant à Alfino et Alizé, ils sont restés en arrière pour soutenir la délégation d'Ilzabarda. Du coup, nous sommes que trois à avoir fait le voyage. Mais dis-nous plutôt, qu'est-ce qui s'est passé avant notre arrivée? Cette personne me rappelle fortement les anciens que nous avons croisés à Amoroth. Zordiark est vaincu. Hey, ça va? Bien sûr, prenez tout votre temps dont vous aurez besoin. Les cristaux sur les murs qui entourent contiennent nos archives. Vos archives, n'est-ce pas? Cela vous dérangerait qu'on y jette un œil en attendant? Bon, nous voilà partis pour une sacrée séance de lecture. Pup, tu veux bien t'occuper de parcourir les cristaux qui sont en haut? Alors que vous effleurez le cristal, des archives consignées par le veilleur sélénéen en sujet de Zordiark se dessinent clairement dans votre esprit. Rapport quotidien, aucune anomalie détectée. Il semblerait que le veilleur sélénéen ait inlassablement observé Zordiark et le sceau qui le tenait prisonnier depuis la fragmentation du monde. «
ainsi livré le virus vénéen à surveiller Zordiark seul depuis la fragmentation du monde. Ces cristaux contiennent donc des archives d'une ampleur et d'une valeur inestimables. Nous devons les consulter avec le plus grand soin. Des archives concernant la réunification du monde ont été consignées dans ce cristal. Il semblerait qu'à chaque réunification d'un fragment avec le monde originel, la soif de liberté de Zordiark s'intensifiait, en même temps que le sceau s'affaiblissait. Aydelin puisait vraisemblablement dans ses ressources pour parvenir à contenir tant bien que mal le primordial. Il ne cessera jamais de me surprendre. 20 Zordiark, même s'il ne disposait pas toute sa puissance. Enfin, je suppose qu'il était appelé à disparaître d'une façon ou d'une autre, puisque c'est aussi l'intention de Fin Daniel. Mais si tu n'avais pas été là pour déjouer ses plans, notre planète aurait été emportée pour de bon. Voilà un exploit de plus pour alimenter ta légende, et non des moindres. Merci sans crède. Les archives du cristal traitent de l'aggravement de la situation sur la Lune au fur et à mesure des différentes réunifications. Pour le veilleur sénéen, la rupture du lien qui maintient Zordiark prisonnier n'était plus qu'une question de temps. Plus loin, vous découvrez des rapports de maintenance détaillés rédigés par des êtres appelés Loporites. Les archives de surveillance de Zordiark se poursuivent inlassablement. Vous peinez à imaginer l'ampleur de la tâche dont s'est acquitté le veilleur sélénéen. Ici, vous apprenez qu'Elibidus se rendait régulièrement sur la Lune pour contempler Zordiark. Le lien entre l'Assien et le Primordial suscitait visiblement un grand intérêt chez votre hôte. Cette fois encore, Elibidus s'est contenté d'observer le sceau sans tenter de le briser. Je soupçonne qu'il commence à réaliser que la Lune sera la prison de Zordiark tant que le monde ne sera pas réunifié. Lui et ses compagnons ont compris que nous n'essayons pas de détruire le Primordial, tant qu'il restera sous notre contrôle. Et on va terminer avec Yashtar. Tu as appris quelque chose d'intéressant ? Oui, on dirait bien qu'Aydelin a éprouvé le plus grand mal à préserver le sceau qui gardait Zordiark prisonnier. Cela explique pourquoi ses prises de contact avec les humains se sont faites de plus en plus rares depuis le 7ème fléau. Moi non plus, je n'ai pas chômé pour consulter tous ces cristaux et j'ai fait une découverte pour le moins surprenante. Figure-toi que l'astre sur lequel nous nous trouvons, la Lune elle-même, est une création d'Aydelin. Lorsque le Veilleur a dit avoir été créé en même temps que cet endroit, je pensais qu'il parlait que des installations. On dirait que les pouvoirs d'Aydelin à son apogée dépassaient de loin ce que nous imaginions. Il semble pas être en forme quand même le Veilleur. Vous auriez dû prendre votre temps. Il y a tant à découvrir ici, c'est absolument passionnant. Mais dites-nous plutôt, qu'en est-il de cet apocalypse des temps anciens qui menace de se répéter ? Oh.
Est-ce qu'on sait ce qui a provoqué l'apocalypse ? Le flux céleste ? C'est la première fois que j'en entends parler. C'est la raison pour laquelle ils ont créé Zortiark à l'image des ténèbres, symbole de l'évolution et du changement. Ils se sont dit qu'en intensifiant les courants des terres, ils pourraient contrôler les phénomènes qui menaient notre monde à sa perte. Après ça, des dissensions ont éclaté au sujet du sort à réserver à Zordiark. Et Eidolin a été créée. Vous confirmez ce qu'Emet Selk nous a appris ? Elle m'a pourtant demandé de vaincre les ténèbres. Oh.
Si Aedelin ne nous avait pas montré la voie, on peut imaginer que les Assiens auraient déjà réuni un plus grand nombre de reflets. Reflets dont les habitants auraient tous été sacrifiés sur l'autel du retour de l'humanité originelle. Bon. En attendant d'en savoir plus, nous n'avons pas d'autre choix que de vous faire confiance. S'il n'existe pas de dieu absolu, je préfère encore rejoindre la cause que Minfilia avait décidé de soutenir. Mais avant toute chose, j'ai une question à vous poser. Imaginons que cet apocalypse se produise, et qu'on ne parvienne pas à l'empêcher. Si le monde primitif disparaissait, qu'adviendrait-il de ces reflets ? Là, il est en train de penser à Rin. Ok. Bon, c'était pas mal intéressant, on a pris pas mal de lore. Quelle est cette structure ? Il y avoir une arche. Ça va être les charlayons. Ça va être les charlayanais. Et on a récupéré une nouvelle arme. Niveau 84 qui est à peu près la même arme que la mienne, j'ai l'impression. Il n'y a pas l'air d'avoir de grosses différences par rapport à mon arme. 105, 109, 20. 105, 109, ouais, c'est ça, c'est exactement la même. Ça ressemble à quoi elle? Bah, elle est plus classe, donc je vais prendre celle-là. Ok. On continue du coup à la rencontre de l'équipage. Très bien, je vais vous guider jusqu'à l'équipage de l'arche.
Comme vous pouvez le voir, le cratère au centre de Mare Lamentorum, là où Zordiark était emprisonné, rend le trajet à pied difficile. Heureusement, nous allons faire appel à un agro. Tu le connais, il s'agit d'un familier au poil doré que tu as croisé tout à l'heure. Tout comme j'ai servi de surveillant de cette prison, Agro était lui le gardien, le chien de garde. Et comme moi, il a été créé par Aedelin. Mais c'est étrange, je ne le vois pas. J'espère qu'il n'a pas purement et simplement disparu à cause des fortes turbulences qui se sont produites dans l'éther environnant. Pour en avoir le cœur net, nous allons partir à sa recherche avec tes amis. Prends la route en direction du glaive écrasant, s'il te plaît. Vous devriez retrouver cet endroit facilement, mais en cas de problème, remontez tout simplement la route que tu as empruntée avec Agros tout à l'heure. Si Aedelin avait tout prévu depuis le début, je ne vois aucune raison de mettre en doute la parole du veilleur sélénéen. Allons le trouver près du glaive écrasant. On va prendre un raccourci. On va juste attendre un petit peu que la vie remonte pour éviter des problèmes si jamais on tombait sur un ennemi. Mais ça a l'air d'aller. Allez. Il va falloir passer de l'autre côté. Faut que je retrouve, a priori le chemin a l'air d'être là. Il y a un chemin là en tout cas. Avec une zone, il paraît pour la pêche ici. Si le voyage jusqu'à la lune était une expérience à couper le souffle, ce n'est rien comparé à cette vue splendide sur la baie Aetheris. Ce spectacle est aussi l'occasion de se rappeler qu'elle n'est qu'une planète parmi une infinité d'autres dans l'immensité de l'univers. Une destination toute proche mais difficile d'accès. Ça me rappelle un endroit qu'on a déjà visité. L'avant-pays de Ravanien peut-être? Mais oui, lorsque nous sommes partis à la recherche de Sancred, qui avait disparu après l'utilisation de la téléportation ancienne. Pfiou, j'ai l'impression que c'était dans une autre vie. Avec suffisamment d'élan, je pense qu'il serait pas impossible de sauter par-dessus ce cratère. En même temps, la chute serait très longue en cas de ratage. Oublions ça, tu veux ? Je vous remercie d'avoir fait le chemin jusqu'ici. La grotte au Chorofois et l'endroit que je veux vous montrer se trouve un petit peu plus loin. Argos est un familier magique créé par Aedelin et il a besoin d'une concentration suffisante en énergie éthérée pour se manifester. Il se trouve que la grotte au Chorofois est un lieu particulièrement propice à l'accumulation d'éther, donc tout indiqué pour appeler Argos. Suivez-moi, c'est à deux pas d'ici. C'est donc par là, là. Bon. Ah, j'ai pas mon...
Le familier d'Aideline. Je me demande bien à quoi il peut ressembler. Tu as déjà rencontré, n'est-ce pas? Cette grotte me rappelle celle où vivent les Noumous en Ilmeg. Comme l'a dit le veilleur sélénéen, la concentration des terres est très élevée à l'intérieur de cette grotte. J'adorerais avoir le temps d'étudier de fond en comble, mais nous avons d'autres chats à fouetter. Ce coin fera parfaitement l'affaire. Cette grotte a la particularité d'abriter des champignons qui diffusent l'éther contenu dans le sol. Les conditions sont presque réunies, il ne reste plus qu'à donner un petit coup de pouce. Pourrais-tu offrir un peu de ton éther corporel à un de ces Missanae chlorophoi? Cela devrait permettre d'appeler Argos. Argos s'approche et vous renifle calmement. Il semble vous apprécier tout particulièrement. Regardez comme il est mignon et sage comme une image en plus. Voilà, nous sommes tous prêts. Avant de provoquer le 7ème fléau, Dalamunt était parfois surnommé le chien de garde par Menfina, en raison de sa relation avec la déesse de la lune. Je doute que quiconque sur notre planète ait jamais eu la connaissance de l'existence d'Argos, mais la coïncidence est pour le moins troublante. Quand le veilleur sénat a parlé d'un chien de garde, je m'attendais à une créature un peu plus intimidante. Servir de la lune comme arche, voilà un plan audacieux. Même si l'idée vient d'Adeline, j'ai encore un peu de mal à imaginer comment elle a pu être mise en œuvre. Peut-être l'équipage pourra-t-il lever les doutes. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous rendre dans ce grand bâtiment d'où s'élèvent ces quatre faisceaux de lumière bleue. Et c'est ici qu'Argos intervient. Grimpez sur le dos et il s'occupera du reste. Une fois là-bas, vous pourrez faire connaissance avec l'équipage de la lune. Ils sont plongés dans un profond sommeil la majeure partie du temps, mais la disparition de Zordiark les a sûrement réveillés. Soyez bien attentifs hein, à ce qu'ils vous diront et ensemble vous pourrez décider de la route à emprunter et du futur de votre planète. Quant à moi, c'est ici que je m'arrête, mais sachez que je veillerai sur vous depuis mon palais et prierai pour votre réussite. C'est l'heure de faire le grand saut. Au cas où ça tournerait mal, évitons d'aller tous en même temps. Je te propose de partir devant, toi et moi, puis Zancred et Uriangé suivront. A toi de jouer, Argos. Tu sens les terres qui s'élèvent du cratère? Des réminiscences de Zordiark, sûrement.
bâtiment n'est plus très loin. Encore un petit effort. Cette porte est tout bonnement gigantesque. Enfin, si elle a été construite par et pour les Asiens, rien de plus normal après tout. On est là, nous aussi. Parfait, on va pouvoir aller à l'intérieur. Et tiens. Étrange. Peut-être qu'il a fait disparaître ses doubles pour économiser son énergie. Tant qu'il reste au moins un Simba, je n'ai pas envie qu'on se retrouve seul ici sans moyen de repartir de l'autre côté. Merci Argos. Si Argos nous attend, dépêchons-nous d'aller à l'intérieur. Ce serait mal de le faire patienter trop longtemps. Best way. Les Asiens savaient décidément voir les choses en grand. Cet endroit a un petit air d'amorote. Il est irrité en bas. Il n'y a pas un chat. Il est où ce fameux équipage ? Forcément, il faut que ce soit des chats du coup. Et sœurs Loporite, bien le bonjour. Il est encore un peu tôt pour la 1243e révision de routine, mais comme vous le savez, Zordiark vient de disparaître. À compter de ce jour, la Lune n'est plus une prison, mais une embarcation de sauvetage pour les habitants d'Eteris. Ce qui signifie que c'est enfin à nous de jouer. On se retrousse les manches. Il faut que tout soit prêt pour accueillir les humains, alors que chacun se concentre sur son poste. Et n'oubliez pas d'envoyer le signal à nos collaborateurs. Cher Lion. Pas de questions ? Non ? Dans ce cas, tout le monde au boulot !
Voilà donc le fameux équipage de la Lune d'Aideline. On croirait presque qu'ils sont aussi mignons par dessin, comme s'ils avaient été créés pour nous inspirer confiance. Nous inspirer confiance? Des lapins? Attendez, je vais commencer par faire deux petits trucs comme d'habitude. On va aller... Oh, c'est haut. Se s'harmoniser avec les territes. Je vois qu'il y a un palfroid qui est là également. Ah non, c'est les aléas. Ok, pardon. On va remonter du coup, prendre la mission suivante.